N'ayez pas peur, les enfants, je suis là. Et voilà. Patineur, il a disparu. Restez avec mon bébé, je vais le chercher. On ne devrait pas tarder à voir Quasi, capitaine. Il n'y a personne. Hey, oh. Comment ça, personne? Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Peu importe. Les vagues sont beaucoup trop fortes. Mon mari et votre ami poilu sont en danger. Patineur! Besoin d'aide? Oh, oh, pas de problème. Oh, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin? Ça va, Moussaillon? Oui, je sais à quoi tu penses. Pauvre petit insecte, bien trop petit pour se sauver lui-même. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. N'importe qui peut avoir un jour besoin d'aide. Et toi, tu as eu le bonheur de pouvoir sauver tes enfants. Oh, c'est énorme! C'est vrai, comme tu l'as dit, tu es peut-être petit, mais tu peux être fier de toi. Non, 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 je parle de ça! Par mes moustaches! Oh, on va avoir besoin d'une plus grosse bulle! Oh, accrochez-vous! Ah ah! Juste à temps, capitaine! Quick, ouvre le pare-brise! Je vous ai manqué. Oh, tu es sain et sauf. Content de te voir, Quasi. Moi aussi, Twig. Carotte? Avec grand plaisir. Octonauts! Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages? Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandages aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais... Vas-y! Ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Oh, moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! Rocco! Quasi! Rocco! Trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. C'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! 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 Ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Oh, non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine?
Aucun problème. Le Gubsé est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonauts. Le Gubsé se déplace très rapidement. Les galeries des crabes violonistes, elles vont être détruites. Alors il faut l'arrêter à tout prix. Mais les crabes violonistes ne nous facilitent pas la tâche. Les crabes violonistes protègent leur environnement. Ils agitent leurs pattes et pincent les intrus qui s'en approchent. S'ils ne nous laissent pas les aider, ils n'auront plus d'abri. Ah non, jamais je ne me rendrai. Par mes moustaches, un de ces crabes est aux commandes du Gubsé. Rends-nous notre chef, crabe géant. Ce n'est pas un crabe géant, c'est notre Gup. Oh, peu importe ce que c'est, il a mangé notre chef. Crabe violoniste, écoutez-moi, nous sommes les Octonautes. Il faut que nous travaillions ensemble afin de stopper notre Gup et sauver votre chef. Sinon, vos galeries vont être détruites. Bon, on veut bien que vous nous aidiez. Plus de claquements. Vous pourriez soigner ma pince, s'il vous plaît. Vite, arrêtons ce Gup. Il n'y a plus qu'une façon de le stopper. Miaou. Vas-y, saute. Arrête de toucher au bouton. Vaisseau, attention. Nom d'une nageoire. La victoire est à moi. Capitaine. Le Gubsé a creusé trop de galeries sous le sable. Elles vont s'effondrer. Tiens bon, Pesso. Vas-y, donne-moi tes pattes. Excusez-moi, désolé, désolé. Attrape ma pince, mon ami. L'octoscope. Octonautes, attrapez-le. Maintenant qu'on a trouvé l'octoscope, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il va falloir le sortir de là. Vous êtes prêts? Prêts. Au travail, Octonautes. Octonautes. Avec nos petites pattes, on va pas très vite. Par ici. Montez. Excellente idée. Allez, c'est parti. Ça, c'est du service. Il est rapide. En route pour une excursion. Je me trompe ou il fait de plus en plus chaud. Miaou. La lave, il faut se dépêcher. Oh, ce serait tout de même beaucoup plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Allons, Pesso. Mon oncle Gary me disait toujours, peu importe que tu sois grand ou que tu sois rapide, le tout c'est d'être résistant. Comment peux-tu t'endormir dans un moment pareil? Nous les oursons d'eau, quand on a vraiment chaud, on dort jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Tu vois ce que je veux dire? Encore un dernier petit effort. Attention!
Ça va? Tout va bien? Je crois que oui. Les ours sont d'eau? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Ah, ça va. Pas mieux. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Bien, alors allons-y. Attendez, où est Franck? Il était là il y a une minute. Hé, hey, Franck! Franck, où es-tu? Il est sûrement tombé. Il n'est pas là. Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans la lave. Il est de l'autre côté de ces rochers. Il n'est pas question de l'abandonner. Ne t'inquiète pas, Pesso. On va trouver le moyen de les déplacer. Mais il faut faire vite. Vous permettez, capitaine? À vous. Je peux voir l'autre côté. De vous doit y aller à la nage. Le passage est trop étroit pour moi. Mais il est juste à la bonne taille pour moi. C'est à toi de jouer, Pesso. Tiens bon, je viens te sauver, Franck. Franck, où es-tu? Où peut-il bien être? Franck, c'est toi? Franck! Oui, je t'ai retrouvé! Nom d'une nageoire! Pesso, dépêche-toi! Oh, j'ai reparti pour une promenade! Je te tiens, mon seigneur! Allons-y! Octonaute, enfonce! C'était vraiment moi une... Octonaut! Il manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'en penses-tu? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler. Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons. Allons-y, installons-nous. Oh, attendez un peu les amis, ne touchez à rien pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement. Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais. Ça va être très puissant. Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais. Le cyclone va emporter tout sur son passage. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va être emporté par les vagues. J'ai peur. Oh non, quel désastre! Mais c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, les amis. Nous, les octonautes, avons toujours un plan B. L'un de vous a un plan B? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous. On peut peut-être lui en procurer un. Écoutille verrouillée. Vas-y, Twig, le câble de remorquage. C'est bon, tu peux y aller, Twig. C'est parti, capitaine. Oh. Ah. En douceur. Et voilà. On est protégé. On ne craint plus rien. Le dôme protégera le récif, capitaine. Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup. Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine. Octonaute, nous allons aligner les guppes A, B, D et E pour former un rempart. Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif. De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le gupp C. Restez bien en formation serrée, Octonaute. Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1. Accrochez-vous. Oh!
Diopsée ne peut pas maintenir le dôme. Oh, on va le perdre. Octonautes, regroupez-vous autour du dôme. Octonautes, le cyclone s'est éloigné. Elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais. Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine. Hé, par ici. C'est ça. Je suis là. Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours. Attention, Quasi. Quasi, par ici. Shillington, regarde. C'est fascinant. Un bec. Une queue poilue. Des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque? Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé! Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard. Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant.